Content de vous retrouver aujourd'hui, salut à tous, c'est Krakot, on se retrouve aujourd'hui pour la 16ème partie de Luigi Mansion 2 sur la version HD sur Nintendo Switch. J'espère qu'en tout cas vous allez bien, et bien sûr il y aura d'autres Let's Play qui vont arriver, donc je sais pas encore réellement lequel qu'on va faire, enfin, peut-être la surprise, je vous en dirai pas plus. En tout cas n'oubliez pas le petit abonnement comme d'habitude si c'est pas encore fait, si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube. Pas mal de jeux sur la chaîne, hein. Je vous invite à aller voir dans la playlist, vous allez voir il y a pas mal de découvertes, des playlists sur les jeux, sur les Let's Play. Il y a beaucoup de jeux, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous avez manqué une vidéo sur une découverte qui pourrait peut-être vous intéresser, n'hésitez pas à aller la checker. En tout cas, nous on est reparti pour Luigi, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour aider la vidéo pour le référencement comme d'habitude, et on va affronter ce fameux boss, le roi Bou. Et on est parti pour le défaut de l'armure, le portail de la terrasse hein, est encore ouvert. Mais nous devons agir vite, prépare-toi au combat, mon garçon, il est temps d'affronter le roi Bou. Eh oui, il est grand temps. C'est vrai que sur la vidéo précédente, franchement, on avait carrément galéré, hein, comme je vous avais dit dans la vidéo. Waouh, c'est vraiment dur. Hein. J'ai trouvé que ce niveau était vraiment dur. Alors pour les personnes qui ont suivi un petit peu le let's play, vous verrez forcément, la partie 15 était quand même la plus dure pour moi. C'est pas une difficulté à la sous-like, mais hier par moment, waouh. La partie 15, j'ai bien galéré quand même. Le fait que je meure deux fois, je recommence, certes, mais on a quand même bien galéré. Bon, et n'oublions pas ton frère Mario, il y a fort à parier qu'il se trouve aussi là-bas. Bref, assez discuté, place à l'action. Télépixelisation est imminente. Et écoute Luigi, au cas où tu ne reviendrais pas, il faut que je te dise que je t'aime. Non, c'est pas ça, je pense pas. Je suis fier de toi. Ah voilà, c'est qu'il est fier de moi. Super gentil de sa part. Donc logiquement, dernier niveau. Logiquement, dernier niveau, on verra bien. Le boss final. À mon avis, s'il y a une strat, hein, il va falloir la connaître. Bien sûr. Mais c'est vrai que depuis le début, les boss n'étaient pas forcément super difficiles non plus. Donc je m'attends pas à ce truc super dur non plus. Hein. Bien sûr. Mais on sait jamais, parce que la mission précédente était quand même bien, bien hard. Hein. En fait, c'était le chronomètre, le fait d'aller vite... Et puis la maniabilité, hein, comme je vous avais dit, que c'était pas forcément super agréable par moment avec la torche Luigi. Hein, il faut vraiment prendre le coup de main. C'est avec le joystick, hein, vous voyez, on dirige le truc. Mais quand on a pris le coup de main, ça va. Mais au début, j'avais du mal. Sincèrement, j'avais du mal à bien orienter, on va dire, un peu l'aspirateur pour les fantômes. Aïe aïe. Ok, à mon avis on va s'occuper d'eux avant le roi Bou. Hein. Donc je pense que ça va être quand même ce boss va être un peu plus long. Hop là, Astérix sur le tapis. Ok. Hop là. Viens par là. Waouh, les trois d'un coup. Alors ça, c'était pas magnifique. Bon, pour l'instant, c'est pas super dur. On va dire un peu la phase 2. Oh oh.
Bon, ça sent le gros chevalier, non? Ah, ce que je disais. Alors, là, ça va être quoi la technique? Oh oh! Et l'autre, et l'autre? Là, je crois qu'il tombe, hein. Clairement. On est parti chercher le dernier fragment. Oh. Ouais, c'est trop facile. Oh. C'est le roi Bou, c'est bizarre qu'on ne l'a pas vu là. Oh yeah. I did it. Oh. D'accord. Oh. Yellow. Tu as réussi mon garçon, tu as récupéré le dernier fragment de la lune noire. Ça sera pas facile, mais je vais essayer de te faire sortir de cette illusion. D'accord, je suis sorti. Oh. Bah, c'était vraiment la dernière mission, elle était pas forcément dure. Hein. Je m'attendais vraiment le combat contre le roi Bou là. Non, je pense pas que c'est le dernier. Je doute. On verra bien. Ah, je me disais bien qu'il y aurait eu un souci. Là, je crois que je me suis fait téléporter ailleurs. Non? Ok, il y a eu le fragment, mais Luigi est pas là. Ah si, le roi Bou est juste derrière. Oh Mario. Ah, mais c'est ce bon vieux Luigi. Je me vaux l'honneur de ta visite. Ah, tu te souviens de notre dernière rencontre? Moi oui, c'est même un sacré souvenir. Et oui, c'est le jour où tu avais décidé de m'enfermer dans un tableau miteux pour l'éternité. Bon, comme tu vois, l'éternité, c'était un peu trop long pour moi. Alors j'ai décidé de sortir et prendre l'air et de semer la ruine et le chaos pour me détendre un peu. Comment? La lune noire? Ah oui, c'est moi qui l'a brisée, bien sûr. C'est pas très difficile. Figure-toi que le joyau qui orne ma couronne décuple aussi mes pouvoirs plutôt cool, non? En plus, maintenant je contrôle tous les fantômes de la vallée des ombres. C'est pas royal?
En parlant de royal, il est temps pour moi de devenir le souverain suprême de ce monde. Quant à toi et tes amis, je vous réserve une place dans le cachot de mon donjon. Bon, ok. Bon. Allez. Ça, c'est que des sacrées menaces, hein, qu'il me fait, là. Le combat juste avant était plutôt facile, mais là, ça se trouve, va être un peu plus compliqué à prendre en main, peut-être. Ok, c'est parti. Ok, je peux rien faire. Une grenouille. Voilà. Oh, j'ai réussi à le toucher. Un miracle. Elle est pas tombée dessus. Quel dommage. Oh, ok. On l'a vite récupéré. À mon avis, en phase 2, hein. Il est pas encore totalement mort. Allez, il faut vite courir, hein, je pense. Et on n'a pas le choix. Dépêche-toi, dépêche-toi. Oh non, non. Heureusement qu'on meurt pas du premier coup. Mais je pense pas qu'il est mort, hein. Ok. Mais non, mais non! Elle était bien partie.
Quel dommage. Passer par là. Il est pas encore mort, hein. Je pense qu'il faut le faire en 3 étapes. Hein. Allez, c'est reparti. Il va avoir un peu marre, Luigi, là. Il y a beaucoup plus vite que tout à l'heure. Hein. Là, j'ai oublié le cœur. Bon, après, c'est pas très grave. Hein. J'avais déjà 100. Allez, à mon avis, c'est la dernière fois, là. Aïe, aïe, aïe. Oh là, j'ai carrément le temps. Ok, nickel. Ah, j'ai pas eu le temps. Et il enlève 20 points de vie, là, en plus, hein. C'est pas le plus gros que j'ai pris, hein.
Aïe aïe aïe. Bon, dernier. Ok. C'est bon? Eh ben voilà! On a fini! On l'a enfin récupéré! Le petit fantôme là. Et la petite gemme. Pour aussi sauver Mario. Oh Mario, qui est là? Basé sur le travail de l'équipe de développement de la version originale hein, sur Nintendo 3DS. Et voilà un peu le générique de fin sur Luigi Mansion 2, les amis. Du coup, je sais pas si on peut skip ça.
Et on va voir quand on finit le jeu, est-ce qu'on a la possibilité de refaire l'émission, par exemple, qu'on a forcément pas fait de bonnes étoiles, hein, où il faut faire 3 étoiles et puis capturer Boo à chaque fois pour chaque mission. Aussi débloquer la nouvelle amélioration qui est à 20 000. Donc là, il y a pas mal de choses à refaire hein, si on a envie de compléter le jeu à 100%. Mais clairement, sur le Let's Play, nous avons totalement fini le mode histoire, donc on va s'arrêter là et on se retrouve très bientôt pour un prochain Let's Play sur la chaîne YouTube. Sur ce, à très bientôt. Ciao ciao à tous.